tout le monde! Et on est vendredi le 6 août. Puis là, on est à Trois-Rivières, on vient d'aller manger au Normandin. Puis, c'est ça, on se dirige vers Québec pour aller chez mes parents. C'est genre, ça va être une belle fin de semaine. Je vais vous montrer pourquoi tantôt. Donc, là, on sort de manger, puis on a reçu, moi et Alex, des questions sur Instagram. Donc, tu ferais quoi avec $1 million, Rubé? Tu peux pas vivre avec $1 million. Ouais. Mais qu'est-ce que tu ferais quand même si t'achèterais rien? Maman. Je verrais ma maison. That's it? Ben là. On paierait la maison. Moi, avec $1 million, je voudrais changer de tour. Changer des de maison. Seins. Avoir des seins. Où aimeriez-vous vivre n'importe où dans le monde? Si t'avais à vivre n'importe quel pays, tu vivrais ailleurs? Moi non plus. Je pense que je resterais ici. Mais avec les conditions actuelles, ben là, c'est sûr que ça me tente pas de partir. T'sais, j'aime ça habiter ici, mais je pense que j'irais genre aux États-Unis. Quels sont vos prochains projets de coup? C'est des projets en tête à part. Une nouvelle maison. Ouais, une nouvelle maison. Une roulotte. Une roulotte. Voyons, Alex, il répond ce soir, on participe, on aime ça. C'est ça, fait qu'on va commencer par ça. Là, je vous l'ai pas dit encore, je vais vous mettre des petits extraits de quand on est allé chercher notre bebelle. Mais on a fait une folle dépense, oui. Fait que je vais vous montrer ça en arrivant, mais ouais, ça serait de, t'sais, s'amuser, faire plus de camping, habiter dans le bois, avoir une nouvelle maison. Avoir un chien aussi, c'est vrai, on va avoir un chien en décembre ou janvier, bref, cet hiver. Je suis pas prête à ça, mais bon, voilà, c'est fait, c'est payé. C'est sûr, toi, c'est cet hiver? Oui, c'est cet hiver. Oui, ça arrive vite. Avez-vous la même opinion concernant vaccin, passeport vaccinal? Oui. Oui, sinon... on a vraiment le même avis, mais je pense qu'Alex est un peu plus faible que moi sur la vie. Hein? Oui. Moi, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas dans le cul, je crois dur comme fer, puis ça me dérange pas d'en parler parce que je respecte vraiment les gens qui ont... tu sais, je respecte les gens dans le sens... Tu penses qu'est-ce que tu veux, moi, ça m'affecte pas personnellement, fait que ça me dérange pas. Pour quand le troisième bébé? 2-3 ans certains parce qu'on s'entend vraiment là-dessus. Parce que les deux, on veut avoir le temps de vivre des trucs avant. T'sais, la maison, t'sais, nos projets justement de couple, je pense qu'on veut attendre avant. Puis on veut attendre que les filles soient plus grandes pour qu'on puisse se concentrer vraiment sur le bébé. T'sais, comme là, avec les deux filles en jeune âge, c'était quand même difficile. Sortir, c'est difficile. Puis en tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on pense. Si le monde puis la vie change pas, moi, je suis pas d'accord d'avoir un autre enfant. Je veux pas mettre un enfant au monde dans des conditions comme actuellement. Mais j'ai espoir que ça peut changer. Ce que vous trouvez le plus gratifiant et le plus difficile du rôle de parent? Qu'est-ce qu'on a le plus gratifiant en étant père? Ouais. Les voir. Juste les regarder. Juste les regarder. Oui, des fois, il regarde Julia, là, puis il est comme... Puis quand il s'ennuie de Léna, il est comme... Oh, Zibi. Moi, ce que je trouve le plus gratifiant, c'est de voir qu'ils apprennent des choses de nous. Je trouve que, je sais pas, je trouve des fois, les nannes sont des affaires, puis je suis comme. Hein? Oui? Quoi? Je vlog. Oui. Puis qu'est-ce qui est le plus difficile, vite, du rôle de parent? Moins de sorties. Moins de sorties, ouais. C'est le fait de. Tu sais, c'est difficile de sortir avec les enfants. C'est juste aller au resto, tu sais, comme là, on arrive au resto. Là, ça c'est quand même relativement bien passé, mais il était temps qu'on parte, c'est ça, parce que quand ça commence à chigner, là, c'est le temps. Aimeriez-vous plus tard déménager plus proche de ta famille? Ben ça, c'est un truc qu'on veut pas tant parler, mais oui, c'est sûr que c'est envisageable. C'est sûr que Alex aime vraiment la vie là-bas, d'où c'est que mes parents habitent, justement. Pourquoi qu'on y va? T'sais, il aime ça, la vie de bois, puis tout, que ce soit tranquille, avoir un 4 pour se promener, un petit village. Il aime vraiment ça. Puis, t'sais, il a jamais vraiment connu ça, dans le sens que oui, il vient d'une place qui est quand même perdue, là, comme un petit village, mais il est né sur la rive nord de Montréal. Fait que,
sais, il n'a jamais vraiment vécu là, mais il aime quand même ça. T'sais, le fait de ne pas avoir de voisins, le fait de tout ça, là. Fait que c'est sûr qu'on y pense. Ça serait quelque chose de vraiment envisageable parce que je vais arrêter ma réponse. Pour là, il n'y en a pas d'autres. Ok, on s'en va à Québec, on est à Trois-Rivières, puis voilà. Allô tout le monde! On est le lendemain. Puis on s'apprête à partir en 4 roues, tout le monde ensemble, mes parents, les filles, tout le monde. Puis ben là c'est un peu touché là, pour les cases, j'avais oublié les cases des filles. Fait que bon, on en a trouvé d'autres, sinon on va aller en acheter. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais bon. Alors si on a racheté un 4 places, je vous ai pas montré encore ce qu'on a acheté. Puis je vais vous le montrer ben maintenant. Donc voici ce que nous avons acheté, Alex et moi. C'est notre premier achat ensemble. Fait que c'est bien le fun. Là, il manque la vitre en avant installée, les bas de porte. Et il était pas encore arrivé. Donc voilà. Fait que ouais, on aurait pris un 4 places à avoir su. Ça a l'air qu'avec des bandes d'auto, c'est legit. Mais à quel point, je le sais pas. Donc voilà. C'est gâté. On s'entend là, ça s'est pas donné. C'est pour ça que je dis qu'on a fait une folle dépense. C'est plus cher que mon char. Quand j'y pense, non, faut juste pas que j'y pense. Mais bon, on s'est gâtés là parce que de toute façon, on est tout le temps pas mal raisonnable. Puis là, ben, c'était un achat impulsif. J'ai fait mettre, regardez ça. J'ai dit au gars que je voulais le toit parce que tu peux avoir le choix là. Tu peux choisir en carbone ou en peu importe. Moi, j'étais là, j'ai vu une vitre en haut. Donc, ils me l'ont mis. Je trouve vraiment ça beau. Fait que là, il fait super beau, on va en profiter. Il annonce de la pluie cet après-midi. On se dépêche. Je viens de tout préparer les affaires pour les filles. Des couches, tout ça. Fait que c'est fait. Donc là, tout ça. On vient de s'arrêter chez les amis à mon père. Fait qu'on va manger. Là, on s'en va voir les animaux. Ah, B dans le pneu, les filles pour aller jouer dans le pneu. Puis ça sert dedans. Ça, c'est le fun. Toutes les mêmes fesses à Brooklyn. Comment ça? Ils sont comment? Plates. Des petites fesses plates. T'aimes ça? T'es avec moi? Oh! Je suis avec toi pour ton cash. Ah ouais. Je sais pas, mais ici, il y a des trucs surgelés si jamais. Une pizza? Ouais, en plus, j'ai mangé ça hier. Une journée dans la vie d'Alex. Non, fais les fesses, oui. Fais les fesses. Okay. Oui! Fais-le! C'est quoi qu'on fait? Moi aussi. Si. On a essayé de patenter nos sacs, nos affaires là. Si tu roules pas encore en malade, ça devrait être possible. Checkez-moi la face. On s'est baigné là. Parce que là, on a fait deux rides aujourd'hui. C'est notre deuxième. Fait qu'on s'en va à la maison.
là, on est de retour à la maison, de retour au travail. C'est lundi, je suis en train de faire le montage du vlog. Puis, je me rends compte que quand je fais des vlogs, là, c'est tellement genre ici et là. Mais bon, moi, je vous garochais même comme si je vous vomissais toute l'information. Il n'y a aucun sens ce vlog-là, honnêtement. Mais bon, je pense que vous, ce que vous aimez, c'est voir qu'est-ce qui est vrai. Puis pas de chichi, pas de, de trucs voulus. Je pense que c'est correct. Bientôt, j'aimerais faire, tu sais, des vlogs plus que je m'assieds et que je jase. Mais ça prendrait des sujets, tu sais. J'en ai une coupe en tête, mais ça peut peut-être porter à... s'arracher la tête, s'arracher les cheveux peut-être. Je suis une fille qui aime vraiment ça, débattre. On se le cachera pas. J'aime pas le conflit. Je suis vraiment ouverte aux idées des autres et tout. Là, je suis un peu stressée. Il est 11h. À 1h30, non, à 1h, il va y avoir un point de presse sur le fameux passeport vaccinal. Donc, crissement pas rapport avec mon vlog. Mais avant de vous dire bye, je peux pas passer à côté, c'est actuel vraiment, ça peut pas l'être plus. Puis j'ai été un peu assommée par toutes les gens qui sont... tu sais, j'ai fait un sondage sur Instagram pour voir, tu sais, pas pour mettre de conflit en personne, juste savoir combien de pourcentage de ma communauté qui répondent sont pour et combien sont contre, et c'était 50-50. Ok, peut-être bon, 53 versus 40, 47 là. Mais bon, c'est presque 50-50. Puis ça m'a vraiment. Genre, j'étais vraiment chouque. Genre, j'étais chouque, ben raide. Parce que c'est pas une question d'être pour ou contre les vaccins. C'est même pas ça le débat. C'est vraiment juste un passeport vaccinal. Moi là, genre, à ce que je pense. Là, je dirais. Je vais essayer de pas trop dire mon opinion. Je vais juste réfléchir par rapport à ça. Mettons. Là, je sais zéro comment ça va marcher. Là, genre, quand vous allez voir ça, sûrement que ça va être annoncé et tout, et qu'on va avoir plus de détails. Mais là, pour l'instant, moi, je suis en toute pas connaissance de cause, OK? Mais là, moi, j'imagine qu'il faut montrer sûrement, probablement, quelque chose sur notre téléphone. genre, c'est une affaire que tu montres, là. Puis moi, je pense aux gens, genre ma mamie, qui est pas capable de gosser avec un téléphone. Genre, les autres vont faire quoi? Ils vont avoir un papier d'attestation? Mais là, quand que ça va être une troisième dose qui va être obligatoire, après ça, il y a une quatrième, ou bien tant par année, genre chaque année, genre, va falloir que le monde se mette à niveau, puis il va falloir que ça s'affiche sur les papiers ou bien sur le téléphone. Si je manque de batterie en arrivant quelque part, ben qu'est-ce que je fais? Ils vont juste dire « Ah, t'as manqué de batterie. Sorry. Bye bye. » Tu sais, le monde, les entreprises, je veux dire, ils peuvent pas, genre, refuser des gens, je sais pas. Puis moi, j'ai pensé à quelque chose aussi. Là, je vous dis, là, je suis pas contre personne, je dis aucune opinion vraiment, je me pose juste des questions. La personne qui teste négatif, qui n'est pas vaccinée, mettons, elle est négative, elle rentre dans un endroit, elle contamine pas personne, tout est beau. La personne qui a son passeport vaccinal, donc qui est vaccinée, mais qui ne passe pas de test COVID, mais qui est positive, que si elle aurait fait un test, elle est positive, elle va contaminer les gens. Fait qu'ils sont vaccinés, mais tu peux l'avoir, tu peux le transmettre pareil. Fait que comment ils vont faire pour gérer ça? Je sais pas si ça va marcher. Ils peuvent pas contrôler autant que ça. Moi, je me rappelle, en c'est quand que ça a sorti? C'est fin 2019, début 2020, c'est ça? Ouais. Ben, la pandémie était comme, j'avais l'impression, tu sais, même moi là, j'avais peur, je lavais mon épicerie et tout. Puis là, je regarde aujourd'hui, puis je suis comme, c'est tellement plus ce que c'était, genre, je la lave plus mon épicerie là. Même à cette heure là, à la garderie avant, on avait des postes, c'était pas plus que trois parents en même temps. Là, c'est comme, tout le monde peut rentrer. Fait que là, quand ils parlent de mettre un passeport vaccinal maintenant, je comprends pas. Je comprends rien, je comprends rien. Puis le masque qui était supposé être temporaire, moi ça me fait ça me fait bien gros penser à la TVQ. Là, je suis pas une historienne, je suis pas une professionnelle, j'en ai aucune idée. Moi, je vous dis, qu'est-ce que moi j'ai appris. Fait que, tu
sais, la TVQ, c'est une taxe qui était supposée être temporaire à la base. Puis on l'a encore aujourd'hui. De toute façon, on fait juste s'endetter, là. Fait que... Mais on est quand même les seuls au Canada, tu sais. On est les seuls au monde. Peut-être pas, je sais pas. Là, je vous sors ça de même, OK? Puis je veux pas qu'il y ait personne qui me dise, tu sais, tu devrais faire tes recherches avant de nous parler de ça. Non, moi, je fais juste te dire mon opinion avec qu'est-ce que moi, je sais là. Parce que ça me tente d'en parler là. Oh! Plaster, comment démêler le faux du vrai du faux? Avez-vous vu ça? La vidéo, elle, genre, ça a passé à LCN fin juin. Que M. Trudeau refusait de donner la vérité à la Chambre des communes. Des trucs de même. Moi, quand je vois ça, ça me fait capoter. Regarde, là, je crache vraiment. Comme un peu mon contenu de tout le vlog, là, je vous vomis ça, là. Je suis comme dans l'incompréhension totale. On dirait que je suis comme bien, bien mélangée. Comment ne pas donner d'opinion en parlant de ça? C'est difficile. C'est difficile, puis en plus, on peut pas le faire. Parce qu'on est des influenceurs, on est des... Appelle ça comme tu veux, il y a du monde qui me suit. J'ai pas choisi d'être influenceuse. Mais bon, c'est sûr que j'aime ça, faire affaire avec les compagnies pour qui j'ai des coups de cœur. On s'entend, fait que oui, on peut m'appeler comme ça. Parce que oui, je fais des collaborations, mais c'est difficile d'accepter le petit truc qui vient avec, là, de... Ben, fermer sa gueule. On va se le dire direct de même, c'est directement ça. Faut dire comme tout le monde, faudrait être pour le gouvernement, pour les mesures, pour ci, pour ça. Faut tellement être parfait. Puis ben moi, ça me dégueule. Ça me dégueule. Ça fait, écoute, ça fait combien de temps que je suis dans le silence? Ça fait des mois et des mois que je ne dirai, à part une vidéo que j'avais faite sur YouTube il n'y a pas si longtemps, je pense que c'était cet hiver. C'est la seule fois que j'en ai parlé, j'ai jamais osé en parler sur Instagram, mais là, on dirait que le passeport, c'était comme la goutte. Là, je ressens le besoin intense, ça me fâche, ça me... Ça reste immoral, je trouve, puis je dis pas ça parce que je suis pas vaccinée, parce que, gars, je vais vous le dire, là, je ne suis pas vaccinée, je ne compte pas me faire vacciner. Ils feront leur passeport vaccinal, je n'irai plus nulle part, je m'en contre-calisse, mais... Je me pose quand même des questions de comment tout ça va fonctionner. Puis moi, de ce que je sais, puis c'est pas parce que je veux pas infecter les autres. C'est pas que je ne pense pas aux autres, mais pas du tout. Je pense que pour vrai, je suis une personne tristement empathique dans la vie. Puis genre, je vais continuer de faire ma vie puis mes affaires. Chez nous, ça me dérange pas. Mais que le monde vienne pas me gosser pour me dire que je suis une mauvaise influence pour les... parce que moi, je me fais pas vacciner. Écoute, moi là, je n'ai aucune confiance en ce vaccin-là. J'ai vu des effets secondaires, puis ça commence à sortir. Tu sais, c'est comme pendant qu'ils ont fait leur première phase d'essai au vaccin, parce qu'il a juste été développé en 6 mois, fait que je sais pas à quel point ils ont testé ça. Probablement parce que sinon, ça aurait juste jamais passé, mais... Et on retrouve beaucoup de gens avec des symptômes. Tu sais, je parle pas des effets secondaires à court terme que, OK, vous vous sentez toutes comme vraiment de la merde quand vous faites vacciner la deuxième dose. Tout le monde le sait. Le monde file pas bien. Ils sont chez eux. Tu sais, je parle pas de ça. Je parle des effets vraiment à long terme. Donc, si vraiment il y a quelque chose live qui se passe, tu sais, j'ai vu plein de vidéos, là, même une fille que je suis sur Instagram qui a eu des problèmes à shake, là, de partout, là, c'est terrible. J'en ai vu 3 comme ça sur Instagram. Puis, il y a une amie du frère à mon chum qu'elle a fallu qu'elle soit amputée suite à ça. Mais pourquoi on n'est pas au courant de ça? Pourquoi on attend de voir que les autres en parlent pour être au courant de ça? Pourquoi ils ne disent pas tous les risques, ça peut amener telle affaire? Tu sais, un document. Puis si c'est disponible puis que je suis pas au courant, mettez-moi ça quelque part, mais il faut absolument que ça sorte. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Là, ça fait déjà 10 minutes qu'on en parle. Puis mon vlog va durer, regarde, je t'ai rendu à 10 minutes, fait qu'une vingtaine de minutes, c'est pas super, mais comme, pour vrai, ce qui me désole, c'est que j'ai l'impression que quand on nous enlève un droit, en tant que société ou peu importe, ben, c'est un peu pour toujours, tu sais. Pour vrai, genre, j'imagine le jour où on va enlever nos masques, à quel point ça va être bizarre de rentrer quelque part pas de masque.
Ça commence, hein, dans les petits endroits, genre chez mes parents, puis dans ces coins-là. Le monde ne prend pas de masque, ils sont vraiment tannés. Puis là, dites-moi pas qu'il faut blâmer ces gens-là. Regarde, je pense que chacun est libre de leurs affaires. Je pense que les commerçants, ils ont juste, à un moment donné, ils ont laissé faire. Je pense qu'ils ont lâché prise. Puis c'est libre à eux, vrai. C'est libre à eux. On en parle-tu de la loterie aussi, là? Je comprends pas. Je trouve que c'est empreint de mauvaise foi faire ça parce que on s'entend que l'argent gouverne le monde. Il y a beaucoup de choses dégueulasses qui dirigent les gens. L'argent, le sexe, tout ce qui est... Écoute, fait que ça, c'était une façon d'en avoir plus. Là, le passeport vaccinal, c'est... Tu sais, c'est très sournois pour en avoir plus, puis plus, puis plus. Mais je respecte ceux qui se font vacciner, tu sais, c'est pas... C'est pas vous le problème, mais pas pantoute. C'est... Vous avez le droit de vous faire vacciner, vous avez le droit de croire, c'est bien correct. Ça me dérange. Tu sais, moi, ça m'affecte pas personnellement. C'est vraiment la façon qu'il l'amène. Moi, ça m'allume une cloche, tu sais. Moi, j'ai peur de ce vaccin-là, bien honnêtement. Fait que je le veux pas dans mon corps. Puis là, il commence à parler que ça va être les enfants de 5 ans et plus. Moi, Léna, là, elle s'en va sur ses 4 ans. Elle a pas encore 5 ans, mais à un moment donné, elle va l'avoir sur 5 ans. Peut-être que d'ici là, il sera plus expérimental, je pense, 2023. Tu sais, il y a plusieurs pays qui l'ont refusé, le passeport vaccinal, parce qu'ils trouvaient ça immoral, pas mal tous les pays, à part nous, à part le Québec. Puis je sais vraiment pas quoi penser de ça. Fait que, jugez-moi pas, bâchez-vous pas dans les commentaires, s'il vous plaît, ça va être supprimé, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez tout faire dans le respect, tu sais, je reçois tellement des beaux messages, tu sais, il y en a qui se sont fait vacciner, puis tout, puis que... Ils sont contre le passeport vaccinal qui m'en parle, puis j'aime vraiment recevoir leurs témoignages de ceux-là. C'est vraiment plein de sens pour moi. Il y en a qui sont pour le passeport vaccinal, qui l'expliquent bien, en ayant du respect. Tu sais, ça, c'est des conversations qui sont intéressantes. Vous n'arriverez pas à faire changer de point de vue l'autre personne, c'est sûr et certain. Mais au moins, d'être capable de se parler dans le respect, c'est pas pire. Fait que bref, je trouve que ça finit vraiment bizarrement mon vlog, mais... Je pouvais pas laisser ça là, puis je suis pas la plus connue, tu sais, je suis pas la plus connaissante de tout ça. Mais je pense que les médias choisissent vraiment qu'est-ce qu'ils veulent montrer, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas montrer. Puis les informations qui sont partiellement fausses, on les met partiellement fausses, on se fait taire. Ça aussi, ça m'allume une cloche. Quand quelqu'un ose parler, De peu importe quoi, n'importe qui peut être au courant de quelque chose, ils se font taire. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu sais, là, les deux chercheurs en microbiologie et tout, à Winnipeg, qui se sont fait crisser out par la GRC, là. Vous irez voir, au pire, je vous mettrai le lien dans la description, ça, genre sur LCN, ça a passé, fait que moi, j'ai vu ça cette semaine. Puis, ben ces deux personnes-là, on les retrouve plus. Ils sont portés disparus, ils sont où? On en parle-tu? Est-ce qu'on les cherche? Pourquoi le gouvernement refuse de donner la vérité sur cette affaire-là? Ça pourrait ne pas être connu de nous, du public, mais au moins à la Chambre des communes, puis aux personnes, tu sais, qui doivent gérer ça habituellement, tu sais. Fait que moi, c'est plein de questions que je me pose. Vous pouvez vous aussi vous poser des questions, vous pouvez donner votre avis. Sans blaster, s'il vous plaît, dans les commentaires, où vous en êtes, vous, par rapport à ça? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise chose? Est-ce que vous pensez que ça va être là pour rester? Est-ce que ça va être juste pendant qu'on serait supposé être confiné que ça va être de mise ou ça va être pour tout le temps? Fait que je suis bien, bien curieuse d'avoir vos avis par rapport à ça. Moi, ça me fait peur pour les femmes enceintes, pour mes enfants. J'ai une amie qui est enceinte qui veut rien savoir du vaccin, elle a peur, puis surtout qu'elle est enceinte, ça ne tente pas de l'avoir. Puis, comme en France en ce moment, ils n'ont pas le droit d'avoir les soins et tout, tu vas accoucher comment? Tu n'auras pas le droit d'avoir ton conjoint comme il n'y a pas si longtemps. Est-ce que tu vas pas avoir de rendez-vous médical? Dans le fond, on ne pourra plus aller à l'hôpital, il y a plein de choses. Si arrive une urgence, qu'est-ce que je fais? Dans le fond, je vais être obligée de le prendre le vaccin
contre mon propre gré pour avoir accès à des services que je paye. Hey! Excuse-moi, là, le 45% que tu me prends, si tu m'appelles, là, je le paye. Ça s'en va où? Système de santé, ta loterie? Pourquoi j'aurais plus accès aux droits que je paye? Moi, il est bien beau, pas le droit, là, c'est beau, c'est beau. Mais... mais je les paierais plus, là. Pourquoi je paierais quelque chose? Pourquoi je financerais un programme quelconque si je n'y ai pas droit parce que je ne suis pas vaccinée, qui est supposé être un choix personnel? Moi, c'est ça que je pense dans ma tête. Fait que j'espère que ça aura fait un peu de sens pour vous, parce que moi, ça en a tellement pour moi, puis c'est vraiment d'actualité, puis ça me stresse vraiment. Fait que voilà. Voilà ce que j'avais à dire, puis on a passé quand même une très belle fin de semaine, finalement, sur un autre ordre d'idées. Mais ça, ça me préoccupe beaucoup. Écoute, j'en ai pleuré parce que j'avais peur pour mes enfants, parce que moi, vous savez, Léna n'est pas d'Alex. Donc, là, ça vient plus toucher parce que moi et son père, on a vraiment pas la même idée sur tout ça. Puis ça a l'air que si un parent dit oui à la vaccination pour son enfant, c'est oui automatiquement, même si l'autre parent dit non. Puis ça, ça me rend très, 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 très en crise. En fait, je sais pas comment je vais gérer ça, mais oui, ça me touche particulièrement à cause de ces raisons-là. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Puis, on va se revoir dans d'autres vlogs. Puis, si vous avez des questions, vous voulez avoir mon avis sur des sujets ou peu importe, puis que vous voulez faire tout ça dans le respect, bien, je vous invite à me dire, me poser des questions ou peu importe, ou me dire votre avis, vos suggestions pour des vidéos futures. Ben, je vais tout vous lire. Donc, passez une belle semaine. Bye bye!